Les téléspectateurs ont été absolument ravis de retrouver un candidat emblématique de l'amour et dans le pré dans le que sont-ils devenus? Il s'agit de Gilles, le fameux candidat au bâton du programme. Ce lundi 7 août, les téléspectateurs ont pu prendre des nouvelles des candidats emblématiques de l'amour et dans le pré. Karine Le Marchand a en effet profité de Lady P Tour pour sonder à nouveau les âmes de quelques-uns des participants du programme. Après sa rupture avec Maud, Laurent a profité de l'émission pour présenter sa nouvelle compagne, la douce Céline, avec qui il déborde déjà de projets. Après sa séparation avec Pascal, Vincent a, lui, présenté une certaine Christelle à Karine Le Marchand, qu'il a rencontré lors du salon de l'agriculture, un peu grâce à Pierre et Frédéric. Gilles est un homme à nouveau amoureux, autant de bonnes nouvelles qui ont réjoui les internautes, mais ils ont surtout été ravis de retrouver un autre personnage emblématique du programme. Gilles a marqué à jamais l'amour et dans le pré de son empreinte avec un geste devenu viral. Éperdu d'amour, l'agriculteur n'a pas hésité à courir en chaussons à travers champs pour faire ses adieux à sa belle en agitant un bâton. Un geste désarmant qui a suivi l'agriculteur jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement pour lui, malgré cette magnifique démonstration amoureuse, il s'est séparé de Katia. De retour dans l'amour vu du pré, il avait évoqué son désir de retrouver l'âme sœur. Je n'aille plus l'élevage. J'ai repris mon premier métier, comme je suis né dans la lavande. J'ai un métier qui me permet d'avoir plus de temps. Il ne me manque vraiment plus qu'une femme, une pierre précieuse, pour pouvoir partager et faire le plus long chemin de vie possible avec elle, expliquait-il alors. Et si est-y à nouveau très amoureux qu'il est apparu devant Karine Le Marchand dans ce premier épisode du Qui sont-ils devenus? Si est-y avec Sylvie qu'il a retrouvé l'amour? Et celle-ci a d'ailleurs évoqué le bâton quand l'animatrice lui a demandé quel souvenir elle conservait de l'apparition de Gilles à l'écran. Mais si est-il en le revoyant dans l'amour vu du pré qu'elle a finalement craqué pour lui. Les internautes n'ont pas oublié le geste fou de Gilles, 10 ans après plus que le destin amoureux de Gilles, les internautes ont été ravis de retrouver le candidat qui les a tant marqués, même si 10 ans se sont écoulés depuis cette séquence culte. Ce moment culte de l'au revoir de Gilles agitant son bâton en pleurant toutes les larmes de son corps, s'est rappelé une utilisatrice de Xilar. Et pour de nombreux téléspectateurs, ce moment du programme a fait date. Dans le top 3 des meilleurs moments de la TV française et c'est pas le troisième, Gilles 10 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Pouvait-on lire sur le réseau social https://twitter. Comme les régatiers statuent 1 638 638 719 304 019 1968 https://twitter. Comme Adrien Kl statue 1 688 638 535 316 676 608.
pas.